Donc on va aller là-haut parce qu'on va tourner en rond. Pour le montage. À votre gauche, vous avez le complexe de gymnastique. En fait, tu vas nous faire voir les zigzags du parking. À chaque fois, quand j'en donne deux, c'est qu'il y en a un, c'est un effort, donc tu vas sprinter, et un où tu vas te reposer. Mais tu vas quand même courir. D'accord. Mais tu vas trottiner, oui. 3-20-20, 3-30-30. On y va, histoire de pas perdre trop de temps et après on retrix. Je coupe. Ah putain. Tiens, un point de côté. Le footing, d'accord, est le moment où j'accélère ma vitesse. Mais vous n'êtes pas quand même à 100% de votre vitesse. Techniquement, on doit descendre à 75. Vous êtes prêts? En trottinant. Trottine. 3, 2, 1, top. Ah, j'ai les mollets en feu, on rentre au gymnase. Alors entraîneur, on fait quoi? On travaille les percussions. Une impulsion en fait, impulsion c'est juste avant de balancer une figure. Ah bah voilà. Impulsion c'est juste avant de balancer une figure. Les percussions c'est plus entre deux figures. On parle par exemple de salto avant, percuter salto avant. C'est jouable, c'est jouable. Donc là on se chauffe, enfin pas une flip, c'est-à-dire un salto arrière, on meurt avec les mains. Thomas s'y colle, il aime bien faire ça. Le pan flip, je sais que je l'ai déjà fait dans un cours précédent, mais j'ai peur. Yes. Quelques temps, je vais essayer un enchaînement qui s'appelle le breakdown. En gros, c'est un cheat 540. Quand j'arrive au sol, je balaye le sol, je remonte en B-twist et après le B-twist, je dois enchaîner cork. Ça, pendant quelques temps, je vais le tenter. Bon tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, on se termine sur une... Oh là, oh, un feu rouge. J'ai passé gainer switch du coup. C'est un truc de ouf. J'espère que je vais pouvoir continuer à le retaffer, enchaîner les tours de gainer, lancer des corks dans mes gainers, et peut-être que double cork. Je commence à reprendre un peu de mon niveau, ça s'annonce très lourd, j'ai du mal à reprendre, mais restons positifs. Go training. Boum. Et au passage, j'ai eu l'idée, au lieu de dire go training boum, go training rouge. Ça vous va ou pas? Dites-moi ça, si ça vous plaît ou pas. Allez, ciao!